30-30, c'est les rencontres de la forme courte, c'est la 13e édition cette année euh, d'un festival qui rassemble euh, donc pour cette édition 24 propositions sur 6 soirées et euh, une grande journée le samedi, euh, une journée avec euh, plusieurs propositions à voir de midi à 23h. Euh, les propositions donc, artistiques sont programmées par Jean-Luc Thérade, qui est directeur du artistique de l'événement et qui s'intéresse à des propositions principalement autour du corps, euh, donc il y a plusieurs chorégraphes, euh, performeurs de cirque aussi. Euh, parmi les chorégraphes, Anthony Egea est un, un artiste qu'on suit depuis longtemps, euh, qui euh, a fait un spectacle il y a quelques années qui s'appelait Rage, euh, et dans lequel Salim était, euh, était interprète. Et donc euh, il nous a proposé une performance de, de Salim pour euh, cette édition qui s'appelle Creuse, et donc, il va vous parler. Euh, Le Chrome, je l'ai découvert en, en 2007. En 2007, et je me suis mis à fond dedans parce que j'étais un danseur de hip-hop avant. Et j'ai rencontré Anthony et Géa en 2009. Parce qu'ils avaient une tournée africaine, qui s'appelle Soli. Et durant ces rencontres-là, ils faisaient des auditions. Parce qu'il avait en tête de créer un spectacle réunissant presque tous les danseurs africains. J'ai eu la chance, j'étais parmi dedans. On était six danseurs, et c'est peut-être, je peux dire à haute voix, que c'était le premier, le premier euh, chorégraphe qui a chorégraphié le cran, parce que c'est une, une, danse un peu spécifique, un peu, et c'est en fait, on peut dire que c'est la danse où vient ah, danse urbaine, parce qu'il n'est pas hip-hop, qui vient juste d'arriver, là qu'on le sent. On peut dire que j'ai apporté tout ce qui est strict. Et la compagnie Révolution, parce que j'ai déjà travaillé avec eux, ils m'ont apporté ce qui est spectaculaire, ce qui est... Comment, comment faire ces strict-là dans un, dans un spectacle vivant en fait wow.